Et voilà, cher ami, aujourd'hui je vais vous montrer ma manière de préparer les feuilles de manioc autrement. Je les chauffe d'abord comme ça au feu, pas avec de l'eau, juste avec de l'eau que j'ai lavé les légumes, donc les feuilles de manioc. Je chauffe comme ça dans une marmite jusqu'à ce qu'ils deviennent molles. De cette façon, ça permet d'enlever la forte odeur des feuilles de manioc qu'il y a souvent. Plusieurs personnes n'arrive pas souvent à faire ainsi et il prépare les feuilles de manioc directement sans les chauffer au feu. Donc ça, c'est une autre astuce que je vous montre pour améliorer le goût des feuilles de manioc. Et voilà. Maintenant, après, je vais refroidir mes feuilles de manioc. Arrivé à ce stade, pendant que je pile, je mets mes grosses aubergines violettes que j'ai épluchées. Je mets aussi mes poivrons, mes poireaux, oignons verts, ail, oignons violets et je pile le tout. Ça permet de rehausser le goût lors de la cuisson des feuilles, de nos feuilles de manioc. Donc c'est ça, je pile le tout. Je pile le tout, ça donne un très bon goût aux feuilles de manioc. Et voici à ce stade, je mets au feu dans ma marmite que j'ai changée parce qu'elle était petite. J'ai dû transvaser pour mettre dans une marmite plus grande parce que je remarquais que ça commençait pendant l'ébullition, ça débordait. Donc j'ai changé de marmite pour mettre dans une qui était plus grande. Donc vous pouvez voir les oignons, l'ail, tout ce que j'ai pilé, on aperçoit un peu à l'intérieur. Et par la suite, j'ai nettoyé mon poisson maquereau frais que j'ai fait bouillir parce que je ne mélange pas souvent pour éviter les arêtes comme j'ai des enfants bas âge. Et ensuite, je décortique pour mettre maintenant dans les feuilles de manioc. Voilà ce que ça donne. Donc, j'avais réservé un gros aubergine que j'ai découpé et mis avec encore une autre boule d'oignon. Quand j'ai chauffé l'huile, j'ai mis le tout avec le poisson. Et j'ai saupoudré avec de la crevette fumée, donc de la poudre de crevette fumée, avec de la poudre de poisson fumée. C'est ce qui donne également un très bon goût. Voilà, donc je mélange le tout. J'ai encore ajouté deux piments. Donc, vous voyez, le goût est tellement bon parce que j'ai pilé avec les ingrédients dès le départ. Donc, avec tous les ingrédients que vous avez vus en amont. Donc, là, je n'utilise pas les cubes, mais l'odeur est tellement, ça sent très bon et c'est bon. Donc, je vous le conseille de le faire prochainement. Au revoir.